Yo tout le monde, c'est Miras et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de Let's Play Saints Row 2. Donc j'espère encore une fois que la semaine spéciale Saints Row 2 vous a plu. Et cette fois on retourne sur un schéma de vidéo normal. Donc demain il y aura Zelda, mercredi il y aura... c'est quoi déjà le mercredi? Putain, je m'en souviens plus, voilà, j'ai fait une semaine spéciale, maintenant je me souviens plus du reste de mes let's play. Donc on a le choix entre une mission des Sons of Samedi, une mission des Ronin et une mission de la Brotherhood qui est loin là-bas. Je pense que on va commencer avec les Ronin. Let's go. What's up with the dollhouse? Dollhouse my ass. This is how we gonna fuck up the Ronin. This'll be good. Trust me, it is. The Ronin have a stake in Poseidon's palace, so I figure hitting their biggest moneymaker is a good way to show them we not fucking around. Okay, so what's the plan? You and I enter the casino here. Once inside, we need to distract this security guard. I was thinking you could catch me cheating or some shit like that. Anyway, while the guard's concerned with throwing me out, Gatto sneak in through this security door. Don't worry. I already got today's passcode from the blackjack dealer Shandy's fucking. Now once inside, Gatto have to sneak past the guards to cut the power. And when that happens, we only have about 45 seconds before the backup generator turns on. During the blackout, yo, hold up, man. I mean, I love the dream house you built here and everything. But what if we just start here, walk into the casino, and just shoot all the motherfuckers that are between us and the money? Well, you know... We'll be a lot faster. And a lot more fun. Yeah, but... Fuck it. Let's go. Good call, Johnny. Pauvre Pierce. Il fait un plan, tout le monde s'en fout. Enfin, par contre, je me souviens plus c'est quoi. Voilà, c'est la touche pour s'accroupir. Je ne me souvenais plus. Donc, let's go. Comme je vous disais, hein, Gat est impliqué aussi dans les missions Ronin. Donc en fait, contrairement à ce que je disais dans le précédent épisode, c'est pas Gat qui nous file les missions Ronin, c'est Pierce et Gat en fait. Hein. Mais c'est vrai que Gat va avoir une grande histoire avec les Ronin. Vous verrez ça par la suite. Ceux qui ont déjà joué au jeu, je vous demanderai de ne pas spoiler. De toute façon, je ne sais pas s'il y a de nombreuses personnes qui ont joué à Saints Row 2. Je sais que Saints Row 3 a rencontré un grand succès. Mais Saints Row 2, beaucoup moins. En fait, c'est Saints Row 3 qui a donné le succès à la licence et qui a permis qu'il y ait un 4. Parce que je pense que Saints Row 3 était prévu pour être le dernier. If he spends more time getting ready than I do, he deserves to get shot. Hey, where's Pierce? I thought he was coming. Pierce is picking up some of the other saints and meeting us there. I figure we can get the party started without him. Ok, on peut commencer la fête sans lui. Pas de problème. Ça ne roule plus. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. D'accord. J'appuie sur la touche, mais ça n'avance pas. On va savoir pourquoi. Alors sinon, j'ai pas trop compris pourquoi on a commencé la mission avec de la notoriété Ronin. C'est pas très logique. Alors attendez, j'ai cru voir un point pas connu sur la carte. Oh oui, mais il y en a plein des points pas connus sur la carte, donc on va éviter. Hop, de toute façon, on fera une visite plus tard quand on aura des hélicos, des avions, etc. Enfin, plutôt les hélicos, parce que les avions, c'est un peu chiant pour la balade. Et sinon, on commence à gagner un peu d'argent, donc c'est sympa. Hop, putain, je fais n'importe quoi. Puisque départ, on a commencé avec vraiment pas grand-chose. Je crois que c'était 100$, quelque chose comme ça. Et 2500, c'est quand même très correct par rapport à cela. Alors, comment on fait un burn-out, déjà? J'ai oublié. Est-ce que ce serait pas... Non, arrête-toi, s'il te plaît. Stop, pas bouger. Ok, on appuie sur le frein à main et sur la touche pour avancer. Hop. Ouais, d'accord, c'est bon. J'ai trouvé tout seul. Et donc, faire des burn-out... comme on va le faire ici, voilà, ça permet de gagner un peu de points de respect parce que on a des spectateurs qui vont être contents, même les petits vieux, hein. Les petits vieux, ils sont contents de voir des burn-out. Attends, je vais attendre que la petite vieille là, elle se pointe, voilà, c'est bon, comme ça on a les 3 étoiles et on chope 31 de respect puisque je vous rappelle, oula, d'accord, je vous rappelle qu'il faut une barre de respect à chaque fois pour pouvoir déclencher une mission. Et là, on n'en a plus. Donc c'est assez gênant. Du coup, la prochaine fois, je pense qu'il va falloir qu'on fasse quelques petites missions secondaires. Hop. Allez,
pense qu'il y a un saut à faire là. Excusez-moi monsieur. Ouais non en fait on s'en fout. Hop, yeah. Voilà. Ça c'est fait. On va en profiter pour faire le même de l'autre côté. Je suppose que c'est deux sauts distincts. Hop, en plus celui-là c'est bien parce qu'on a la route. On va pouvoir prendre de l'élan pour sauter un peu plus loin. Ok. Il y a un gros freeze mais c'est pas grave. Let's go. Alors c'est où? C'est là, c'est juste en face. Tu peux pas le louper Miros, sauf s'il y a une voiture qui se fout dans ton passage. Je crois que ça a loupé, c'est pas grave. Hop. Excusez-moi, je ne fais que passer. Voilà, on y est. Pourquoi t'as fait un saut comme ça, sérieux? Putain, j'ai perdu la moitié de ma vie pour faire ça. Bonjour, messieurs. On va attendre que la vie remonte quand même, parce que si jamais on se retrouve dans une fusillade à la con, ça serait dommage. Ils ont une jolie cravate bleue, hein, les mecs. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Alors, élimine les Ronin. Tu pends dans ta tête. Voilà, ça c'est fait. On se couche. Salut. Salut, salut. Où sont les méchants? Ils sont là, juste derrière, dommage. Ok, Johnny, il se prend déjà des dégâts. Oula, ok, des fois j'appuie sur le clic, mais ça ne tire pas. Salut! Rien à foutre du civil. Moi je suis là pour buter des gens. Alors est-ce que ça crache de l'argent ces trucs? Oui. Oui, ça crache de l'argent. Donc on va leur tirer dessus. Non, ils crachent pas tous de l'argent, d'accord. Tant pis. Qu'est-ce qu'elle fout en bikini elle? Mais ils sont tous en bikini en fait dans ce coin. C'est quoi ce bordel? Salut. Ok, on va tout péter pour choper de l'argent. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'argent quand même dans ce casino. Salut les mecs. Hop. Voilà, j'ai l'impression de tirer à côté à chaque fois, mais que ça marche quand même. Ah là, il y a de l'argent. Là, je me suis fait un peu de YouTube monnaie. Oh putain, il y a du monde. Hop, voilà, protège Gat pendant qu'il passe des explosifs sur les portes. Ok. Remplacer NR4 par Vice 9. Hop, hop. Et on récupère, voilà, notre NR4. Par contre, je l'ai plus en double du coup. C'est dommage ça. Je pense que le NR4 est mieux, enfin perso je préfère. Où sont les méchants? Voilà, ils sont là. Toi, t'avais un joli blouson. Alors par contre, le casino fait énormément de bruit. Hein. Ça vous dérangerait pas de faire un peu moins de bruit, les machines? Oula, qu'est-ce qui se passe? Il y avait plein de fumée. Oh, salut toi. Je ne t'avais pas vu. Hop, hop. Tiens, tiens. Beaucoup ou pas les Ronin? Il est où Johnny d'ailleurs? Il est en haut? Parce que s'il est en haut. Ah non, il est là. D'accord. Ok. Salut les mecs. C'est moi, je suis le boss des Saints, motherfucker. Hop, c'est bien, ça fait pas mal de respect de buter des membres de gang à la chaîne comme ça. Alors, il y en a encore beaucoup là, comme ça, des mecs? Ou alors je vais être bientôt tranquille. Il y a quelqu'un derrière. Ah, il est là. Pourquoi il m'a pris le katana? What the? What the? What the? The? Hop. Tiens, meurs, meurs, meurs. Reste loin des bombes. C'est quoi loin des bombes? Oh! Elles sont où les bombes? Rapporte le butin à la maison d'Aïcha. Alors pourquoi on se retrouve dans un camion? Quelle surprise absolument, Johnny. Allons-y.
Alonso. Hop. Aïe. What the fuck? J'ai roulé sur une voiture, elle a explosé. Quoi. Normal. On se croirait dans un film d'action moderne. Allez. Putain, ça se conduit mal ce truc. Les camions, ils sont chiants à conduire, franchement. Bon, ok, la moto qui s'arrête en plein milieu de la route. Hop, tac. Putain, il m'emmerde là, hein. À me tirer dessus avec un fusil à pompe. Ouah! J'ai mon moteur exposé là. C'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Oh putain, je fume. Mon moteur fume! Faut se dépêcher. Parce que si on se prend des balles ou des chocs, et ben le moteur va exploser et ce sera échec de la mission. Alors je dis qu'il faut pas se prendre de chocs et je fonce dans toutes les voitures qui passent. Je suis un mec comme ça, moi. Hop, allez, c'est plus très loin. Si on échoue là, c'est qu'on est vraiment des merdes. Junichi, you need to relax. My father won't find out about the casino. Don't question me, Junichi. And we're in America. Speak English. Forgive me, Shogo. A little jumpy today? Over there. Sword. Listen, Junichi. I know you're having a hard time adjusting to the way I run things here. But how about you let me deal with my father, and you deal with whatever the fuck I tell you to deal with? Of course, Shogo. Excellent. Et voilà! Ah, enfin, une mission courte, faite. Bon, bah du coup, là, on peut pas faire de mission, c'est dommage. Écoutez, on va aller faire une activité, je pense. Où est-ce qu'il y a une activité pas loin? Une course, là. Hop, allons vers la course, tac. C'est pas très loin. Bon, par contre, ce mur va m'emmerder. Pourquoi je n'avance pas? Ok, je sais pas pourquoi. Je voulais reculer, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas sur 20. Allez, go. C'est bah, ça y est plus. Ah si, voilà. Hop. Let's go. Course, affronte des adversaires en compétition ou en contre-la-montre pour gagner de l'argent et du respect. Non, mais remonte sur ta moto. Three, two, one. Go! Ouah, ouah. Oh putain, ça se conduit trop mal ce truc. C'est quoi ce bordel? What the fuck? C'est quoi cette voiture de merde? Ah! Ok, ça va être plus compliqué que prévu, les mecs. Oh là 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 là. Ça se conduit super mal ce machin. Ok. Bon, bah on va faire de notre mieux, écoutez, hein. C'est-à-dire pas grand chose. Ok, bon déjà je suis premier, donc c'est un plutôt bon point. En plus ils ont l'air d'être assez loin. Ou alors c'est le deuxième, ça? Oui, c'est, ça a l'air d'être le deuxième. C'est le deuxième. Il a un chiffre 2 sur la tête, c'est donc le deuxième. Oh putain. Eh mais ça se conduit trop mal ce truc, hein, sérieux. Bon. Checkpoint 8 sur 13, ok, c'est pas le moment de se foirer, les mecs. Hop. Ah.
Ah. Voilà. Bon. On va essayer de pas se casser la gueule ici. Ils sont un petit peu loin derrière. Ça devrait être correct, je pense. Alors, c'est là à gauche. On va tourner à gauche. Hop. Là, c'est... Ah bah, c'est le final. It's the final countdown. Voilà. Ah bah, c'était sympa. J'ai gagné un peu de respect. Je peux refaire la course? Sérieusement? Pour commencer la course. C'est la même? 3, 2, 1. Bon, ça a l'air d'être la même. On va la refaire parce que j'ai réussi à gagner. Bon, d'accord. Ça commence très bien. Alors, je sais que là, il faut aller tout droit. C'est là? Oui, c'est là. Let's go! Hop. D'autres raccourcis de fou. Ils peuvent pas comprendre ce qui leur arrive, les mecs. Aïe. Bon, j'ai rien dit. Je me suis pris un putain d'arbre dans la gueule. Allez, on y va. Après, avec l'argent, on pourra aussi s'acheter diverses planques. Chaque fois, je fais la même connerie ici. Parce qu'il y a pas mal de planques, de garages et tout dans le jeu. Genre là, justement, on est passé tout à l'heure devant un garage nautique qu'on avait vu aussi dans l'épisode 1. Qui va nous permettre de stocker des bateaux. Les bateaux, c'est sympa. Ça nous permet d'aller sur l'eau. Non, sans déconner. Faudra aussi qu'on aille acheter l'aéroport, mais il coûte très cher, je crois. Je crois que c'est 50 000 ou 500 000. Donc c'est pas donné, hein. Il y a aussi la grande suite dans le quartier de Saints Row. Celui-là, il va falloir qu'on se l'achète. Parce que il est vraiment sympa. Hop. Et voilà. Nickel Michel. Bon, bah du coup, on va faire un épisode plus court que d'habitude parce que on est déjà quand même à 17 minutes. Et je n'aurai donc pas le temps de refaire une mission. On va donc se laisser ici avec un joli pactole de presque 6 000 $. Hein. C'est pas mal du tout. Je vous dis donc à bientôt, bye bye et prenez soin de vous. Peut-être que en off, si j'ai le temps, je ferai des missions annexes. Pour pouvoir gagner de l'argent et du respect. Donc on se dit à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.